Voilà, je relance une vidéo. Ennemi à terre. Putain, mais pourquoi je fais n'importe quoi? On peut pas zoomer? Non. Bizarre. Je peux pas couper mon souffle. Enfin... Non, il y a un truc, putain. Là, je vais tuer juste les deux mecs là-haut et puis voilà. Non, sur la rambarde. Couche-toi, ils vont te voir. Cible abattue. C'était juste. Mais je la connais la mission, j'avais déjà joué, mais c'est gentil, t'inquiète. J'avais déjà fait dans la première bêta. Je l'avais fait qu'une fois. Je sais pas faire opérer là. J'ai réussi à tirer dans le truc en fer là. T'as pas de chat. J'ai repéré une génératrice. Snowdrake, merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Je te dis sincèrement et je dis la vérité. Hein. Je fais pas semblant. Oh le mec, il faut qu'on aille chercher par les cheveux, il est pas là, je crois qu'il est sous-sol. On va aller voir. Pas obligé de tuer tout le monde non plus. Hein. J'ai une cible en visuel. Par contre, il y a du monde autour. Ok, c'est la base de l'Unidad. On cherche le capitaine qui traite... C'est la base de l'Unidad, les gars. Il nous faut la cible vivante. Merci. Ok. Désolé, j'essaie de... Bon, je dois y aller. Ok, Aurélien, ben, merci à toi de te abonner à ma chaîne, et puis à plus tard. Pour un prochain live ou une vidéo, quoi. Bon. Il y a des gens juste ici, j'entends des gens là. Ah ouais, il y a des rebelles. Je sais pas si je les... Faudrait qu'on essaye ça. Si tu les libères, est-ce qu'ils vont tirer comme des cons ou juste ils se cassent? Je désigne la cible. Attention aux environs immédiats. Allez, allez, cher du monde. On va directement aller dans la tour, je crois. On va l'interroger. Je pense qu'on va faire ça. Ouais. Je viendrai vous libérer les gars plus tard, si j'oublie pas. T'imagines tu leur dis ça, si j'oublie pas. Ouais, moi je laisse pas tout le monde en vie. Enfin, je laisse tout le monde en vie moi, je prends juste, je fais juste la mission et je me casse. Comme en vrai. Allez mec, en vrai tu tues presque personne. Non, on va pas les inquiéter. Il y a un ennemi dans la tour, je sais pas où il est. Je vais faire un face à face avec lui, ça va pas être marrant. Bon, tu peux tricher là avec les caméras, c'est un truc de dingue. Change d'arme. Comment est-ce que ça? Il est où? Ah merde! Trompé de bouton. J'ai paniqué. Si tu libères, ils vont prendre les armes et ils vont commencer à tirer partout. Mais là, ah, j'ai tout niqué tout seul. Quel con. Ah, ce mec, c'est un cassos. Ouais, je parle de moi. Hein. Tiens, de nuit, ça va être bien aussi. Non, autrement, c'est marrant si d'essayer de faire toute la mission sans tuer quelqu'un. De chou aussi. C'est ça qui est bien, c'est que tu peux le faire. Si t'es fort, tu peux le faire. Bah, maintenant, ils sont revenus dans leur tour. Hein.
Oh, je suis désolé, hein. Je déploie le drone. Tu fais du caca. Sniper, en haut on va recommencer, on va mieux faire, tu vois. Un sniper en haut de la tour. Normalement, il y avait personne d'autre. Assez simple, en vrai. Je d'arme. T'as essayé de pas tirer sur le truc en fer comme un con. Non, moi, je peux... Ennemi à terre. Je sais pas si ça va toucher le truc ou... On s'est fait repérer. C'est bon là, normalement. Ok, on peut souffler. Ok, c'est la base de l'Unidad. On cherche le capitaine qui traite avec Yuri. Je sais pas si vous voyez. Il nous faut la cible vivante. Ça doit être assez sombre. Ok. Vous devez bien voir ma tête de con là, par contre. Ah, vas-y, allez. C'est par là. Moi, je suis pressé de voir, c'est la grande forêt. Parce que tout ce qui est forêt... Là, en vrai, en haut à gauche... Enfin, vu que j'étais sorti de la map avec le bug, en haut à gauche c'est vraiment un peu désertique. C'est super beau. Avec les canyons et tout. Et à droite ça va être nord-est, ça va être vraiment la forêt bien épaisse. Ici là. Et en bas, après en bas je sais pas trop. Je crois que c'est un peu la forêt encore. Un peu, ouais. Là ça devient vite la neige. Tout le côté de la neige ici. Je sais même pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Mais... Vu que je m'exprime super bien. Allez, on refait la même chose. Tout ce qui est la neige, c'est là. Alors, comme ça, je te fais le cercle. Et c'est à peu près comme ça. Comme ça. Voilà, ça c'est la neige. C'est toute la neige. Toute la forêt... Normalement, si j'ai compris, ça va être plutôt coupé comme ça. Ça, c'est toute la neige. Toute la forêt bien épaisse. Tu vois ? Comme ils ont fait voir dans les thrillers et tout. Et là, c'est un peu plus désertique. Et là, c'est vraiment le désert avec des sortes de canyons. Avec le terrain de sel ici. T'as vraiment une perte de vue. J'y suis allé. Bah, il manquait les bâtiments, mais c'était un truc de fou. Et en bas à droite, bah, je crois que je sais pas comment ça va être. J'ai pas trop vu. Un peu comme sur Itaqua là. Ah si je dis pas de conneries hein. Mais je crois que normalement je dis pas de conneries. J'ai vu la map. J'ai fait des vidéos dessus. C'est écrit, je sais plus c'est les 20. La 20ème. Dans mes vidéos de 20 dessus j'ai fait... j'ai une playlist. Où je dis full map. Et je me promène en hélico avec mon frère. On visite un peu. Bon là je me trompe pas de bouton. C'est X, ok. Quel connard que je suis. Retourne-toi okay, pas, s'il te plaît. Voilà, t'es bien au téléphone, hein. Allez. Regarde, Caminé. C'est quoi ce bordel? Comment ça va, du con? Merde! Je vous dirais que dalle plutôt que crever. C'est toi qui vois. Mais avec des fous furieux comme Yuri et Polito, c'est toi qui risques de finir pendu par les baloches à leur plafond. Ils attendent que ça, crois-moi. Ça te soulagerait de plus les avoir sur le dos. Écoutez, je suis pas une balance, mais j'avoue, ils me foutent les jetons. Le truc, c'est qu'ils sont même pas à Itaqua. Alors fais-les venir à Itaqua. Dis-leur que t'as un colis pour eux. Oyez, Polito. J'ai un mouton pour l'abattoir. Ok, d'accord. Oyez, Polito. Retour aux choses sérieuses. Et bah voilà. C'est simple en fait la mission, sérieux. Petite mission de merde hein. T'arrives là tranquillou en vrai, faut pas se mettre le stress. Même prendre le véhicule et sortir. Hop. Mais les mecs j'ai vu ils se mettent pas... L'IA se met pas à la mitrailleuse. Moi, c'était pas mise à la mitrailleuse. Ah si, elle se mise là, putain. Bah tant mieux. La dernière fois sur un véhicule, j'ai dû changer de place. Et en plus, tu sors au calme. Tu m'as fait une nouvelle mission, non? Ouais, je sais pas.
Atteindre le garage d'El Polito. Nous avons localisé la voiture privée d'El... Maintenant que le duo infernal est reparti pour Itaqua, reste plus qu'à savoir où exactement. L'Unidad Rambal, on peut y aller. T'as la nuit, c'est exagéré. La nuit, elle est quand même beaucoup plus courte que la journée. Ça... Les journées, elles sont vraiment longues. J'avais fait des timelapses là, enfin... Ça dure... j'ai enregistré pendant une heure. Je crois qu'il faisait 15 minutes ou 10 minutes de... Ouais, 15 minutes nuit et 45 minutes jour. Quelque chose comme ça. C'est pas bien fait, mais si vous voulez les voir. Oh putain. Ouais, si tu veux. Si tu veux, ça va pas être facile, mais si tu veux. Avec plaisir, mon ami. Ah, on va aller faire ça après. T'éteins les... Ah, c'est pas n'importe quoi. AD1. J'éteins mes phares. Je vois plus que quand j'allume. Ça s'assombrit. Au loin. Putain, parce qu'il y a les phares d'une autre voiture. Putain, vas-y, passe. Non, c'est vrai, hein. Comment t'arrives à jouer alors que la... alors que c'est fermé? Jouer un narco du cartel. Là-bas, ouais. Près de la tourelle. J'ai fermé mon quintuplé juste avant la fin en fait. Attention, c'est une tourelle fixe. Royal Game, salut. Là, je vais le redire, je vais répéter, vous inquiétez pas, c'est pas grave, je vais le dire plusieurs fois. Avant midi, j'ai lancé le jeu et j'ai fermé Uplay. Parce que c'est Uplay, autrement il aurait fallu déconnecter votre console avec le câble Ethernet ou quoi, ou le Wi-Fi pour continuer à jouer. J'en étais sûr, je savais. Une troisième cible. Les ébaisés. Par contre, si je ferme le jeu, je peux plus jouer. Hein. S'il plante, c'est fini. J'ai une cible en visuel. Par contre, il y a du monde autour. Atteindre le garage, faut juste voler la voiture, non? Quoi comme arme? C'est bon. J'en ai eu un. C'est le fameux garage. Si vous repérez la voiture de Polito, passez le mot. Bien sûr. El Polito! Aïe, aïe, aïe! Donc on est la nuit. On est la nuit là, c'est mieux. Il y a un ennemi là, quelque part. Là-bas, c'est un sicario. Tu les situes où? À côté de la pile de pneus. On va monter sur le toit, on va essayer de monter. Cool, t'es fort pour trouver ça. Bah, je sais pas, je voulais essayer de vous faire plaisir. En vrai, j'ai dit pour ce soir. Après, moi, je suis parti au sport. Là, je suis revenu et j'ai dit faut que je fasse un live. Depuis midi, en vrai, je suis resté sur le menu. Sur le menu et à 16h, j'ai joué là. Je vois un sicario. Fais voir où ils sont. Près du réservoir. Ah, merci Royal Games, ça fait vraiment plaisir. Je suis sérieux. Merci beaucoup. Après, je pense pas que je fais des super vidéos, hein, mais. Je fais avec mon petit cœur déjà, c'est plutôt pas mal. Bon, allez, c'est juste en dessous qu'il faut que j'aille prendre la voiture. Ouais, une batterie fixe. Y'a personne par là? Y'a juste un mec? Deux mecs. Tami va. Attendez. Mettre mon drone. Cette voiture a une alarme. Cible désignée, mais attention aux civils à côté. D'accord. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a un mec. À côté de la pile de pneus. On va descendre. Ou je le bute au calme, mais par contre, il y a eux là, j'ai peur, ils vont me voir.
T'as mis un mec juste à côté, si je le tue. Hey. Ah, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Y'a un mec juste là. Sicario en visuel. Putain, y'a deux. Hey. Juste à côté de la pile de. Salut. Quoi? T'as rien vu? Et toi aussi, sauf pas ça. Feu à volonté. Vous savez quoi? Quand c'est comme ça. Je cherche plus à comprendre. J'ai peur. On va paniquer la voiture. Je l'ai bien abîmé, hein. On se casse. Non, c'est pas là. C'est pas le bon sens. Putain de sa race. Non, je fais pas tous les jours des lives. Franchement, là, c'est juste parce que... Peut-être que j'en ferai plus, mais là, c'est vrai que dernièrement, c'est parce qu'il y avait le jeu ou quoi. C'est bien les lives, hein, mais c'est différent. J'aime bien faire les deux, en vrai. J'aime bien faire des vidéos. J'aime bien faire des lives. Moi, une bagnole comme ça, je dis oui, même si les capotes sont d'usine. Y'a un truc que j'ai jamais capté chez les narcotrafiquants. Ils se paient une caisse de luxe, ils collent des jambes chromées, et ils se trimballent avec dans les mêmes troupeaux qu'avant. C'est le genre de bagnole qui te fait de l'œil, hein. Super caisse, super costume, et toujours le même... Vous savez que là, si je lance un live sur Twitch, il y aurait grave du monde. Je suis sûr et certain. Mais le problème, c'est que Twitch, je pense qu'ils vont fermer ma chaîne. Bon, après, je m'en bats les couilles de ma chaîne. Mes 600 abonnés... Je suis pas actif et tout, elle est morte, mais... Faudrait que j'essaye par curiosité autrement. Je stream sur Twitch, vous allez voir ce qui va se passer. Je pense qu'au bout de 20 minutes, elle est fermée. Ok, Aboman et Alias a joué. Ils vont dépouiller le GPS pour identifier les adresses où Yuri et Polito pourraient se planquer. El Polito. Je vais arrêter la vidéo.